18h15 sur France Bleu Pays d'Auvergne, ils sont arrivés pour la promotion de leur concert le vendredi 24 mai à 20h30 à Vichy, les assez déçus. Fred est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Ouh là là, ça commence bien. Olivier à la basse. Absolument, absolument. Bonsoir. Sylvain à la guitare. Bonsoir. Et Julien Angus à la guitare. Oui, tout à fait, bonsoir. Bonsoir, ils sont tous là, vous entendez les guitares qui sont parées, ils vont jouer un petit titre en acoustique. Qui est assez déçu? Expliquez-nous, Fred, ce concept-là. Vous reprenez ACDC? On reprend exclusivement ACDC. On a l'ambition de décevoir notre public avec le simple concept de dire que s'ils ont toujours rêvé de voir ACDC, bah, qu'ils viennent nous voir, ils seront assez déçus. Voilà. Vous serez donc en concert le 24 mai à 20h30 à Vichy au CCVL pour le Deception Tour qui continue. Hein. C'est une date de folie. C'est incroyable. Ça fait 10 ans que ça dure. Cette année, en fait, nous 10 ans. Quand même, déjà. Ouais. Ah, 10 ans. 10 ans déjà. J'ai 10 ans. C'est pas c'est décès, ça. Non, mais t'es déçu. Là, on est déçu. Moi, je suis déçu tout de suite. Et on a 10 ans, toujours la même ferveur, toujours le même public qui vous suit. Oui, alors maintenant certains sont devenus des amis d'ailleurs même. Oui. Donc du coup, un peu toujours le même public, un peu aussi les mêmes endroits parce que c'est tellement compliqué d'aller jouer à l'extérieur que finalement on a plutôt l'habitude de jouer dans la région et au fur et à mesure, on peut des fois se dire qu'on lasse certains de nos publics, mais on a toujours des bons retours et une espèce de gentil adhésion à notre concept. Il semblerait qu'on divertisse l'auditoire. Oui, mais c'est un show que vous proposez. Ce n'est pas un simple concert, c'est un show. C'est un show, on le voit comme ça, nous, ouais. Ok, mais c'est fan d'ACDC depuis le début ou pas, Fred? Pas du tout, ouais, c'est ça. Moi, personnellement, j'aimais bien ACDC. Certains dans le groupe sont fans. Mais moi, ce qui m'avait marqué et motivé à l'époque, c'était justement que j'avais pris un DVD pour voir un peu ce qu'était ACDC, culturellement. Cette semaine-là, c'était ACDC, la semaine d'avant, c'était Genesis ou Bowie. Et du coup, j'avais trouvé que le chanteur n'était pas à son avantage sur ce concert-là. Et du coup, j'avais fait le jeu de mots, tiens, je suis assez déçu par le DVD. Et ça a fait marrer ma copine qui a dit, tiens, t'es assez déçu. Et là, je suis monté, j'ai créé le logo. Et j'ai dit, tiens, c'est trop con, faut en faire un groupe. Et à partir de là, la connerie est née et ça fait 10 ans que ça dure. 10 ans que ça dure. On essaye d'améliorer un peu... Vous avez recruté pas mal de monde, Olivier à la basse. Ça fait combien de temps que vous êtes, vous, dans le... Le groupe, ça fait 10 ans qu'il existe. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans ACDC. Ah oui, quand même. Ah, oui, ok. En fait, j'attendais. C'est ça, vous attendiez depuis 5 ans. Avant J'en avais marre et heureusement, il s'est décanté. Sa copine Harry, donc voilà. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est pas son prénom, hein, sa copine Harry. Oui, oui. Voilà, en famille. J'ai jamais trouvé l'autre moitié, moi, Fred. Sylvain, pareil, vous attendez depuis 20 ans, vous Non ouais, pareil. Et je joue la guitare. Ouais. Et Julien, Angus, alors Même plus que 20 ans, parce que je crois que j'étais pas né, j'attendais déjà. Le micro qui est proche de ton ampli. J'attendais déjà le groupe avant d'être né, même. Mon père l'attendait pour moi. Ah ouais, jeune, en fait. Ça remonte loin, quand même, ça remonte loin. Avoir le rôle d'Angus, c'est quand même important, quand même, Julien. Bah, bien sûr que c'est important. Ouais. C'est habillé pareil. Presque l'âme du groupe, j'ai envie de dire. C'est ça. Vous êtes habillé pareil. T'enflamme pas quand même. Attention, il y a le leader qui gueule là. Non, il n'y a pas le leader. Mais je l'ai pas dit. Il n'y a pas le leader. Ça, c'est la limite du putsch. C'est que nous avons 13 heures terminées. Rendez-vous demain sur France Bleu pour présenter le nouvel Angus. Voilà, changement, ça a splitté direct sur France Bleu Pays d'Auvergne. On reçoit le groupe assez déçu. En concert, le 24 mai à 20h30, c'est à Vichy. Tarif unique 10 euros. Si vous aimez le rock'n'roll bien ficelé avec beaucoup beaucoup d'humour, ils seront là pour votre plus grand plaisir. Le Deception Tour s'arrête également le 29 mai à Chamalières et le 7 juin à Saint-Rémy de Charnia pour un festival. Non, c'est une soirée organisée par le Rock'n'Roll Bar, qui est un nouveau bar qui semble avoir envie de faire des choses pour la musique vivante et rock. C'est rare, ça, dans les bars. C'est très rare, donc ça mérite d'être signalé. Saint-Rémy de Charnia, c'est à côté d'Issoire. Voilà, c'est à côté d'Issoire, en partant vers Sauxillanges, tout ça. Et en fait, cet endroit, ils ont un bar, et quand ils nous ont contactés, ils nous ont dit non, pour assez déçus, on va carrément louer la salle des fêtes. Alors on a dit là, banco, on va en la caravane. ACDCU.free.fr, vous écrivez ACDCEU, tout simplement, .free.fr. Vous êtes venu avec vos guitares, la basse est accordée Jamais. La guitare électrique Elle n'est pas accordée, mais j'y arrive quand même. D'accord, et la guitare électroacoustique On s'en fout aussi. La voix est accordée
Bon, ça va. Vous les retrouverez en concert le 24 mai à 20h30 à Vichy. Ils vont nous interpréter deux titres en acoustique, alors. Ouais, très vite. Hein, c'est assez des chutes ou assez des sues? Là, du coup, c'est assez des chutes. Voilà, parce qu'ils font pas trop de bruit, il n'y a pas trop d'ampli, mais un petit peu quand même. On écoute Assez Déçus en direct live sur France Bleu Pays d'Auvergne. Ils sont venus avec leur guitare en bois d'arbre et leur voix de crécelle. Ils seront le 24 mai à 20h30 à Vichy. Messieurs, c'est à vous. Sur France Bleu Pays d'Auvergne en direct live, alors, en concert le 24 mai à 20h30, c'est à Vichy au CCVL, ça coûte 10€, vous passerez un très très bon moment, concert d'Assez Déçus de manière rock'n'roll et la poilade en plus. Ah c'est divertissant hein. Ah ouais c'est très divertissant. Ils sont pas là pour ton argent hein. On vous a vu pas mal de fois tourner en Auvergne, vous étiez dernièrement au Tremplin je crois avec le groupe Télégraphie. Tout à fait. Un concert mémorable il paraît. Mythique. Ouais, mythique. Mythique. Déjà mythique, ouais. Ok, d'autres dates que vous avez fait dans la région pour les... Oui, oui, nous on joue beaucoup dans la région, ça nous est arrivé d'aller à l'extérieur aussi, l'extérieur c'est-à-dire presque histoire, c'est déjà... Ah ouais, c'est le sud, hein, c'est le pastis, les olis, la taponade, enfin voilà, tranquille. Surtout plutôt la région. Ouais. On essaye d'avoir des salles où on puisse librement s'exprimer et pleinement s'exprimer, mais les petits endroits, on adore super, ça. C'est super, c'est Vichy. À Vichy, vous serez comme des coquins. On a même joué dans le tramway à Clermont. Oui, c'est vrai, je m'en souviens. C'est je m'en souviens. Dans même les petits endroits. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant avec la Kilbitu. Je ne relèverai pas. Ah oui, là, tu me fais tata. Ce qui est intéressant avec Assez Déçus, c'est que vous ne répétez jamais aussi. On répète moins qu'on ne fait de concerts. Voilà, c'est vrai que déjà vous faites beaucoup de concerts, à peu près 4-5 par an. En plus, on en fait plutôt une douzaine. Ah bon, d'accord, ok. Je le titille, le père Fred, Assez Déçus en concert, c'est le 24 mai au CCVL, c'est lui là. Et assezdessus.free.fr, celui qui te paye en fait, pour le cacher. On va se terminer là, je crois, le terme est exact, avec une autre chanson. Pourquoi pas, hein, je veux dire, si tu nous la demandes. Ah bah oui, on la veut. Sur France Bleu Pays d'Auvergne en direct, Assez Déçus en acoustique, c'est presque Assez Déçus.
Et Patrick Levaché, on l'applaudit bien fort, c'est le réalisateur. Ah, bravo, Patrick, franchement. Patrick, voilà, qui fait le mixage en direct live. Tu arrives, on dirait Shannon qui est en train de crier sous ses pages pour savoir. Quel titre tu vas nous faire, Fred? Je sais pas, les gars, on pourrait faire. I Wait to Hell, non, il n'y a pas. Ah, si, on peut faire. Eh bah, quand même. Allez, très bien. À la demande de Laurent. À la demande de Laurent Boucry, nous avons interprété sous vos yeux oreilles ébahies. I Wait to Hell par assez déçu. C'est bon, ça vous va, les gars? Allez, allez, feu pas. Waouh, c'est bon, ça. Ça tient le faire un tube. Et tout le monde dans la liste. Living free. Living free. France Bleu Pays d'Auvergne en direct live. Il nous reste 2 minutes. Ah bah désolé. Il y a le bœuf après les infos à 18h30. Assez déçu, le 24 mai à Vichy, c'est au CCVL à 20h30 au Centre Culturel Valérie Darbo pour le Deception Tour, qui s'installera également le 29 mai à Chamalières et le lycée Hôtelier de Chamalières. Lycée Hôtelier de Chamalières et à Saint-Rémy de Charnia le 7 juin. Pour le Rock'n'Roll Bar, ça va barder. Ça va barder. Assez déçu.free.fr. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci, Fred, Olivier, Sylvain et Julien. Et merci à Patrick Levaché pour la réalisation en direct. Vas-y, Patoche, vas-y, à fond. Attends, ce que tu fais. Allez, vas-y, envoie la musique.